Vous avez l'impression d'avoir manqué un bout? Ah non, on est rendu à Daytona Beach. On vous a juste épargné le chemin ça, en voilier, là, à moteur, surtout dans les tracostales, mais on est finalement rendu à Daytona Beach. Ça n'a pas de bon sens comment il fait chaud! Vous allez me dire, la mer est juste à côté, je suis d'accord. Mais là, après ça, il faut que tu te rhabilles plein de sel. Ça y est, notre dépôt pour un mois est donné. Il reste présentement à attendre. Un mois, deux mois, trois mois. Ça va être dur à dire. Ils nous ont dit un mois, mais ça, avec les crises COVID, on ne peut jamais se fier à ce qui peut se passer dans le monde pour le shipping. Fait une semaine qu'on a des tonnes. Fait qu'au moins, on a réglé ça. Là, après ça, il reste à régler la marina. Puis les pièces nécessaires aussi qu'on a commandées parce que on n'a pas tout commandé à la même place, c'est sûr, on magasine, on commande les choses les moins chères aux bonnes places, puis ça va être du neuf. Du neuf, mais comme qu'appelle blemish, je sais pas c'est quoi en français, mais des mots neufs qu'ils peuvent pas vendre parce qu'ils ont été graffinés dans le transport, dans le fond. Fait qu'on a réussi à avoir un deal là-dessus. Ils sont neufs. Mais... ouais, ils sont neufs. Il peut y avoir des marques esthétiques dessus. Quoi, ça nous dérange pas, même en le transportant et en le manipulant à Marina, il aurait pu avoir aussi des graphines qu'on fait dessus. On a sauvé 15% sur un mois, c'est mieux que rien. Puis on a trouvé quelqu'un qui est excellent pour nous aider pour notre installation de mots. Vraiment. Excellent, on va être capable de vous le dire une fois qu'il va l'avoir fait. Ouais. Mais je sais qu'il est excellent parce que c'est tout lui qui s'est occupé en fait de commander les choses directement à la compagnie. C'est lui qui va nous le livrer. Puis tu sais, il est vraiment très 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 accommodant. En tout cas, par internet, ça se passe super bien. Ouais. J'ai hâte de voir comment l'installation va aller, mais on a bien confiance. Plus abordable. Juste vous donner une différence. On va parler du chiffre plus tard. Mais pour le shipping, la part des places, nous chargeait 1200, quasiment plus que ça. Plus le packaging, donc plus 600 à peu près. Ouais. Puis lui, nous charge 250$ pour le shipping. That's it. Fait que ça va nous aider beaucoup ce côté-là. Yes. Fait que là, on s'en va. À l'épicerie. Fait l'épicerie.
On attache le dinghy après l'arbre parce que quand on est revenu un soir cette semaine, le dinghy était rendu en dessous du dock. Puis il fallait sauter sur le dinghy pour réussir à sortir les ballons de là. On a eu peur, là, il aurait pu être percé ou quoi que ce soit. Fait que là, on l'attache à l'arbre. Comme ça, si jamais il y a un petit courant qui se vient, bien, il n'est pas porté à aller en dessous du quai avec la marée qui monte, qui descend. Là. Donc, c'est ça l'astuce. Donc, 4,5 km plus tard, on est arrivé à l'épicerie. On est avec nos trottinettes, nos one wheel, fait qu'on apporte le plus qu'on est capable. Je suis vraiment gâtée. La dernière fois, David, on avait arrêté au manchot et j'avais trouvé des chaises de plage. Fait qu'on avait réduit les achats à l'épicerie pour qu'il soit capable d'apporter mes chaises de plage dans ses mains avec son one wheel. Mais là, on a juste acheté de l'épicerie. Et là, on est en train de figurer comment s'installer, tout ça, pour en mettre le plus possible dans nos sacs à dos. Oh, peut-être une petite place. Il met toujours les choses les plus pesantes dans son sac. J'ai marié un gentleman. C'est pas pesant, mais au moins c'est pratique. Je peux traîner un sac. J'ai un petit crochet ici. Mais je l'utilise pas parce que souvent ça débarque du crochet. Donc je m'installe comme ça. Et c'est cool. On a relevé l'ancre, puis ici, ben, c'est pas les Bahamas. Quand tu relèves l'ancre, il y a plein de boue sur la chaîne. Fait que là, tu salis tout ton deck, tout ton puits d'ancre. Mais on n'avait pas le choix, à cause qu'il y a des très forts vents qui s'en viennent en fin de semaine. On veut être préparé. On était très proche d'une pancarte. Il y avait une pancarte là, de No Wake Zone. On était très proche, puis on avait juste 50 pieds de chaîne. Puis si on relâchait plus de chaîne, ben, on se rapprochait plus de la pancarte. C'était correct pour la semaine qu'on était ici, puisque c'était très calme, les vents. Mais là, il pourrait y avoir jusqu'à du 40 nœuds. On s'est déplacé un peu pour pouvoir relâcher un 110 pieds de chaîne. Puis là, ben, j'étais en train de nettoyer mon beau deck. Ça sent la soupe. On s'est payé une petite gâterie. Eh oui. Ça nous fait penser au Pizza Hut. Pizza Hut. Puis là, tu peux commander un gros biscuit canadien, 5$ canadien, puis t'as le pan en dessous. Là, hey, là je suis posé d'avoir dedans une petite tonne de 6 postés, là. Moi, j'étais toute bien énervée. Oh, je pensais qu'elle allait être en... un métal, ben non. Mais non, elle est en genre de...
Allez, 369 Canadiens. Américains. 369 Américains. Je suis déçue. Mais voyons! C'est pas réutilisable. On a pensé de se faire une petite assiette. Ben en oui! Lieu, mais non. Bon, ben coudonc. On va juste manger le biscuit. Puis... Je suis sûr qu'il va être bon pareil. Allez. Voici nos chaises qu'on a achetées au Marshall. Tout le long des Bahamas, on s'est cherché des chaises de plage, on n'a jamais trouvé. On arrive là, il y en a, je crois que c'est les mêmes qu'il y avait au Costco au Canada. Puis c'est marqué Bahamas dessus en plus. Tommy Bahamas. Oh boy! Une chance que je l'ai trouvé lui, parce que si sa maman s'aurait mis à le chercher, là, elle était très inquiète. C'est la première fois que je le vois là. Il y a une belle petite cachette. T'inquiète, maman, là. Colin, tu devrais voir où c'est caché. C'est la première fois qu'il va là. On a nos affaires de plongée, nos masques, on met ça là. Mais pour moi, il s'est trouvé un petit trou. On a parti le moteur tantôt pour changer l'angle de place. Peut-être qu'il a décidé d'aller se trouver un petit trou tranquille.